Good morning, Alaïdan, et sur aujourd'hui, le Nishmat Mourou Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Marklouf Micha Ben Masouda, Rivka Bat Levi, Yitzhak Dovin Yudi, et rentrer dans Ben Fortuny Mazal. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Et nous débutons aujourd'hui Maserhet Kinim, Perek Aleph, Mishnah Aleph, dernière Maserhet du Seder Kochim, courte, mais un petit piment de Cayenne, ça va être difficile, mais on va s'en sortir, Bezrat Hashem, et on commence tout de suite. Ratata Ofnasit le Mata, Vechatata Behema le Mala, Olata Ofnasit le Mala, Veolata Behema le Mata. Imshina bazé ou bazé, pasoul. Seder kinim kachou. Achova, echad chatat ve echad ola. Bindarim ou bindavot, undavot, kulan olot. Eze ou neder, aomer areala yola. Eze ou nedava, aomer arezo ola. Ma ben nederim le nedavot, elacha nedarim metu onignevu, chayevin bachar yutam. Ou nedavot metu onignevu, en chayav bachar yutan. Mishna, très simple pour le moment. Ça commence en douceur pour nous introduire. C'est quoi d'abord des kinim? Kinim, attention, c'est avec un kouf et c'est pas avec un kaf. Kinim avec un kaf, c'est makat kinim, l'époux. Alors que kinim avec un kouf, c'est, ça vient du mot kan, ki karikan tzipor lefanecha, quand la Torah nous parle, un nid. Concrètement, c'est simple, on appelle kinim un kan dans notre maserhet. Un kan, c'est une paire d'oiseaux. Pourquoi ça marche par paire? Vous verrez très fréquemment dans toute la Torah, chaque fois qu'on va avoir. Dans les corbanotes en général, on doit apporter des mammifères en corban, d'accord? Des hola, soit ça peut être soit de la famille des vaches, soit de la famille des moutons, soit de la famille des chèvres. D'accord? Selon le corban, des fois il faut apporter des masculins, des fois des mâles, des femelles. Et de temps en temps, la Torah nous dit que si on veut, on peut aussi apporter des volailles, des oiseaux. Torim obneyona. D'accord? Maintenant. En général, la Torah va nous imposer d'apporter des volailles, mais par paire. Selon le cas, il y aura des volailles qui seront de holot, ou des fois ce sera une hola et un khatat. On ne s'intéresse pas dans les volailles à savoir ce que c'est un mâle ou une femelle. C'est pas quelque chose qui jamais nulle part, entamud vezachrut, dans Beofot. On s'intéresse pas à savoir à requérir spécialement un zahar, à la différence des korbanot, que des fois il faut spécialement une nekeva, des fois il faut spécialement un zahar. Dans les hola, il faut forcément un zahar, un mâle. Dans les khatat, ce sera en général des femelles. Kisba ou seira, sauf quand c'est un par elem d'Avashan Tibour, ou seir d'Assi. Il y a comme ça, selon les korbanot, des fois des mâles, des fois des femelles, des fois les deux, dans les shlamim, on peut porter ce qu'on veut. Il y a comme ça des règles. Pour les khatat à off, on ne s'intéresse pas, il n'y a pas de... Maintenant, il y a deux types de korbanot de volaille. Il y a soit khatat à off, soit olat à off. Ola ta'of, c'est, comme son nom l'indique, une ola, c'est une holocauste, elle est brûlée entièrement. Du coup, on monte sur le kevesh, sur la rampe, on lui fait la balamédika, la fameuse shrita originale qu'on fait avec les volailles, comme on apprenait dans la Masechet Tzvachim, on presse le sang, ça coule sur le misbar, puis après on la jette au feu, intégralement brûlée. Rien de récupéré, à la différence des animaux, on peut au moins récupérer la peau, là rien du tout, on monte, on brûle, on fait couler le sang, et puis après on jette au feu. Khatataof, elle est intégralement mangée par les Kohanim. Pour le korba, pour le misbéach, on lui fait la melika, on asperge son sang, et puis après on la donne à manger aux Kohanim. La Mishnah commence maintenant à m'enseigner. Khatataof na asit le mata. Le khatataof, le khatat qui vient d'une volaille, eh bien il faut le faire en bas du misbéach. Le khatat behema le mala. Tandis qu'un khatat behema, un khatat d'un mammifère, ouais, qui se bat, ça ira par elem d'Arshasibur, ça y en assis. Il faudra toujours les faire les mâles, hein, en haut du misbéach. Ola ta'of, na'asit les mâles. Un ola, korban ola, d'une volaille, et bien on l'a fait en haut, tandis que ve'olat behema les mata. La olat behema, on l'a fait en bas du misbéach. La ola d'un korban ola qu'on offre avec un mammifère, et bien il faudra le faire en bas du misbéach. De quoi on parle? C'est quoi le haut? C'est quoi le bas? C'est très simple. Le misbéach. L'essentiel d'une capara d'abord, d'un korban qu'on fait au Beth Amikdash, c'est le don du sang sur le misbéach. Une fois qu'on fait la shrita ou qu'on fait la melika c'est la fameuse shrita originale qu'on fait avec le volaille, on récupère le sang, ou directement, peu importe, et on, selon le cas, on l'asperge sur le misbéach. C'est ce qu'on lit dans le perek de Ezo Mekoman Shem Sefachim, pour ceux qui ont la chance et le mérite de lire ça tous les jours avant la tfila, et bien là-bas on raconte que tu fais Shtaim Shanarba, des fois on va monter sur le misbéach, la bakevesh, au final la sauvev, et il va faire le tour du misbéach en aspergeant
sur les quatre coins du Mizbéar. Ça se passe comme ça concrètement. Pour les mammifères, pour tous les corbanotes, il y a un seul corban qu'on fait en haut du Mizbéar, qui est le khatat, korban khatat. Korban khatat, d'abord on fait la shrita en bas, on récupère le sang, puis après on monte sur la rampe, et puis le Kohen il va se mettre à asperger le sang en faisant le tour de la, par le rebord, le contour du Mizbéar, il va asperger le sang sur les quatre coins du Mizbéar. Tous les autres corbanotes, on les fait en bas du Mizbéar, en aspergeant Shtaim Shanarba, en général, ou des fois ce sera juste un seul don de sang, en aspergeant en bas. Pour, donc ça fait que maintenant, si ça m'intéresse, ce qui m'intéresse dans la Mishnah, c'est de retenir le khatat et la hola. Pour les mammifères, donc le khatat, tu asperges le sang en haut du Mizbéar, et pour la hola, tu la fais en bas. Et bien ce sera le contraire exactement pour la khatat haof, pour les hofot. Khatat taof et hola taof, pour les volailles. Khatat haof, tu la fais en bas, tu asperges le sang en bas, et après tu la donnes à manger au Kohanim. Hola taof, qui doit être brûlé entièrement sur le Mizbéar, tu montes en haut, on lui fait la balaménica, on asperge le sang directement, et puis on la jette au feu directement. Ok, donc il s'avère qu'en fait, la Mishnah me dit, khatat haof, la khatat korban khatat d'une volaille, nasit lemata, tu la fais en bas du Mizbéar, puisqu'elle est donnée au Kohanim, il n'y a rien qui monte au feu. Donc directement, tu fais la melika, t'asperges directement avec la volaille, directement, sans récupérer dans un ustensile. T'asperges sur le misbar, puis après tu donnes à manger au konim. Le konim le mange. Ça, c'est pour le khatata off. Tandis que khatat bema, korban khatat d'un mammifère, on le fait lema, là on le fait en haut, on asperge le sang en haut, comme ce qu'on a expliqué. Ola ta off, le korban ola d'une volaille, qui va être brûlée entièrement sur le misbar. Alors, donc, tu lui fais la melika, tu asperges le sang et tu le jettes tout de suite au feu. Donc, bien évidemment, tu la fais où? En haut. Vous imaginez, 32 hamot, s'il devait faire en bas et puis après il la jette en haut, c'est un peu trop. C'est comme au JO, il faut jeter bien loin. D'accord? C'est pas question de ça. Donc il monte sur la rampe, il fait la balle à Melika directement, il asperge le sang et puis et après il jette ça au feu. Ça c'est pour la Olata Ofna Sit Lemala, elle est faite en haut du Misbéar. Olata Behema, Lemata et la Ola d'une Behema, et on la fait en bas du Misbéar. Ok? Maintenant, Imshina basé ou basé, pasoul, s'il a fait le contraire, c'est-à-dire qu'un corban qui devait asperger le sang en haut du Mizbéar, sur le haut de la partie supérieure du Mizbéar, au-dessus du Chout Asikra, le fil rouge qui faisait le tour du Mizbéar à sa mi-hauteur, eh bien s'il a donné un sang qui devait être aspergé en bas, il a mis en haut, ou bien un sang qui devait être aspergé en haut, il a aspergé en bas, eh bien il les a invalidés, le corban a été invalidé. Un peu interdit à la consommation, plus précisément. Invalidé, la capa, elle marche quand même. Il a été invalidé à la consommation. Ok, il ne pourra plus continuer à faire sa avoda. On s'intéresse essentiellement dans notre Mishnah, en fait, des volailles. Je crois que spécifiquement, on s'intéresse spécifiquement aux volailles. Et la Mishnah, elle me dit, comme ça, sache que si tu as fait la hola ta'of, que tu devais faire en haut, tu l'as faite en bas, eh bien, tu l'as... Et tu as aspergé le sang en bas plutôt, tu l'as invalidé. Si on a juste fait la médica en bas, qu'après on monte sur la rampe et qu'on asperge le sang en haut, c'est encore cachère, le bartender nous explique. Mais par contre, le sang, tu dois l'asperger en haut et pas en bas. Si tu as aspergé le sang en bas, c'est fini, tu l'as invalidé. Et inversement, la khatataof que tu devais faire, en bas, si tu es monté la faire en haut et tu as aspergé le sang en haut, et bien là aussi elle a été invalidée. Ok? Ça va être la notion essentielle qu'on aura besoin pour la suite du Maseret Kinim. Je finis la Mishnah d'abord, après je vous explique le principe de la Maseret, l'idée générale qu'il va y avoir, la complexité qu'il va y avoir. Maintenant, la Mishnah enseigne, sache que « Seder Kinim Kahu », tel est l'ordre des Kinim. Chaque fois que tu vas voir que la Torah va te demander d'apporter un Kan, si tu veux savoir, attends, la Torah me dit que dans cette situation, ah, une femme qui accouche, un Zav qui va faire sa pureté, un Metzora qui va devenir pur, où il y a encore toutes sortes, toutes migdash ou kochav. Des fois, la Torah nous donne la possibilité d'apporter des korbanot. Et je veux savoir, là, dans cette situation, la Torah m'a dit d'apporter un khatat et une hola, ou bien deux holot, selon le cas, ça change. Eh bien, la Mishnah m'enseigne. Seder kinim kahu, tel est là, l'ordre des kinim, des nids, des paires d'oiseaux à apporter. On va traduire le mot kinim par paire d'oiseaux, plus que par nid, parce que c'est assez trompeur, sans dire le mot nid. D'accord? Donc, tel est l'ordre des paires d'oiseaux à apporter. Achova, si c'est un korban qui est imposé, à la différence de Nedava qui a un don, et bien en général ce sera Echad Khatat ve Echad Ola. Tu dois apporter un korban qui sera, un oiseau qui sera, que tu feras en korban Khatat, donc que tu feras en bas du Mizbéar, et un autre qui sera Ola. Ok? Que tu vas faire en haut. Bindarim,
Ou Nedavot. Ah, c'est quoi des chovas d'abord? C'est quoi que c'est quelque chose qui est imposé? Alors le Barthéon nous apporte par exemple Zav, Zava, qui sont des impuretés. Une fois qu'on a fini cette impureté, la purification elle doit passer ensuite par un corban qu'on apporte, avec possibilité d'apporter un corban au Lev et Yored, d'apporter en l'occurrence ces oiseaux. Et Yoledet, une femme qui a accouché aussi, elle doit a priori apporter un corban, un vrai mammifère, mais si elle n'a pas les moyens, la Torah elle cède la possibilité d'apporter aussi une paire d'oiseaux qui sera Kinim ou Ben Yona. Et Kinim, Torim ou Ben Yona. Et donc dans ce cas-là, un il sera Khatat et l'autre il sera Ola. Vetomat Migdash le Kocha, aussi celui qui est entré au Bet Migdash avec une impureté alors qu'il n'a pas fait attention, c'est un corban au Lev Yored. A priori, il doit apporter une Seira, si je ne me trompe pas. Et si toutefois il n'a pas les moyens, eh bien il pourra apporter même des volailles. Ça coûte moins cher des volailles, vous imaginez bien. Et Veshmiat Kol Allah, ou Bitul Sotem, aussi des sortes de joueurs qui transgressent. Le Bartonan finit aussi de Averot, comme ça, de situation où il faut apporter ce corban. Ok? Et il y a une exception qui rapporte aussi le Barthénois, c'est un corban qu'un guerre qui veut se convertir, il devrait apporter un corban. Et cette fois-ci, lui, il doit apporter un corban qui sont tous les deux des holot. D'accord? Même si c'est quelque chose qui est Bechova, c'est une hola. Ok, on continue. Donc, si c'est quelque chose qui est imposé, ouais, n'importe quelle personne qui doit se purifier, c'est comme ça, c'est un protocole, processus à faire pour se purifier. Ou pour face à après telle situation ou telle transgression que tu as fait, la Torah te l'a imposé, sache que ce sera toujours un korban khatat. Et voilà, c'est logique, entre parenthèses, que tu apportes un korban khatat quand tu as fait une avéra. D'accord? Ça, c'est quand tu as. Et par contre, bindarim ou bindavot, ou nedavot, par contre, si toutefois c'est un don, il n'y a rien qui t'en impose, c'est toi qui voulais faire un don, et bien dans ce cas-là, kulan olot, les deux, la paire des volailles seront tous les deux des olot. Ça n'existe pas de faire un don d'un khatat. Khatat, c'est si tu as transgressé ta porte. Et si t'as pas transgressé, t'apportes pas. D'accord? Et donc, si c'est un don, tu fais une hola. Eizeu neder, a omer are alai hola. Maintenant, quand je dis que tu peux faire des nedarim ou des davot, nedarim ou davot, littéralement, ça veut dire nedarim, c'est des vœux, et nedavot, c'est un don. Quelle est la différence entre faire un vœu ou faire un don? Ben, c'est très simple. Comme à la synagogue, je peux décider que je vais offrir 100 shekels à la synagogue. Là, j'ai fait un vœu de donner 100 shekels. Mais je peux dire que je vais donner ces 100 shekels-là à la synagogue. Dans ce cas-là, je fais un don à la synagogue. Quelle est la différence? Vous comprenez naturellement. Si je dis que moi, je m'impose d'apporter 100 shekels, et j'ai désigné un billet, et puis ce billet, je l'ai perdu, je devrais prendre un autre billet. Alors que si j'ai dit que je vais faire don de ce billet à la synagogue, et ce billet, je l'ai perdu, et bien dans ce cas-là, c'était lui que je devais apporter, et s'il n'est plus là, je ne dois pas apporter un autre à la place. C'est le principe, et c'est ce que la Mishnah m'explique. Tout dépend comment on a prononcé le vœu. Est-ce que je dis je vais apporter, ou bien je vais donner cela? Et c'est ce que la Mishnah me dit. Ezeu neder. Qu'est-ce qu'un neder exactement? À Omer Arealai, celui qui va dire c'est moi, j'apporte sur moi, je m'engage à apporter moi un hola, une hola. Veizeu Nedava, et qu'est-ce qu'une Nedava? À Omer Arezola, celui qui va dire ça, je le fais cadeau en hola. Ma ben Nedarim Nedava, quelle est la différence entre faire un vœu ou faire un don? Neder ou Nedava. Et là, chez un Nedarim, parce que eh ben, la différence elle est que quand c'est un Neder, un vœu, mets tout au Nignevu, si jamais. L'animal, il est mort ou bien il s'est fait voler. Chayavin bachariotam. Tu seras engagé de le garantir. Tu seras obligé de le garantir, d'apporter en contrepartie un autre à la place. Parce que c'est toi qui t'es engagé d'apporter un corban. Toi, tu dois porter ce don, cette chose-là. Pas celui, d'accord? Pas cette paire d'oiseaux. Par contre, si c'était au Nedavot, si par contre c'était une Nedava, un don, alors dans ce cas, un don, t'as dit que je vais donner cela. Mais tout au Nignevo, si ceux-là ils sont morts ou ils ont été volés, eh ben, en chayavin bachayotan, tu ne seras pas chayav de les garantir d'apporter un autre à la place. Voilà pour la fin de la Mishnah. Je vais peut-être insister sur les quelques points à retenir très importants pour la suite des Mishnayot. La plupart des choses qu'ils ont dit, c'est très intéressant, pas d'ail, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour la suite. Ce qui va m'intéresser pour le principe de Maseret Kinim en deux petits mots, c'est simple, on va parler de korbanot qui vont se mélanger. Et alors là, quand les korbanot ils vont se mélanger, on va entrer en grande galère. Parce que lorsque ça va se mélanger, eh ben, si il va y avoir une volaille que je devais faire en haut qui s'est mélangée avec une volaille avec d'autres volailles que je devais faire en bas, imaginez un pigeon que je devais faire en ratat en haut qui s'est mélangé avec 5 holotes. Qu'est-ce que je fais? Je suis bloqué. D'accord? Maintenant, pour le moment, le cas il est simple. Tu es bloqué, ben, il n'y a plus rien à faire avec tous.
tu les laisses mourir de faim, et puis c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, il faudra apporter des autres commandants à la place. Là, pour le moment, c'est la situation facile. Mais il y a des fois, ça devient beaucoup plus compliqué, où il va y avoir des pères qui vont se mélanger. Et quand il y a des pères qui vont se mélanger, puisqu'il y avait un qui était Khatat, un qui était Ola, qui va se mélanger avec 10 Ola, on va quand même pouvoir faire un petit peu des Olot, mais pas tous, de peur que c'était l'autre. Ça va être le principe de toute la Mishnah, de une grande partie de la Maseret. Et donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que un Khatat et un Ola, chacun, il a un lieu précis où il faut le faire, et si tu les inverses, tu transgresses, tu les invalides. Donc, dans le doute, quand ils vont se mélanger, tu ne pourras plus le... tu ne pourras plus faire choisir de le faire malgré tout en haut ou en bas, parce que de toute façon ce que tu feras ce sera pas bien, donc on fera plus rien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.